Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec mon frérot TDJR. Ouais, ça tu quoi ça? TDJR, hein, Lyon 9ème, secteur Valmy, du Cher. Et voilà, je fais avec plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Hein. Ah bah ça tue, hein. Déjà, premièrement, on est où? Tu m'as dit 9ème. Là par exemple, là on est à l'Observance, tu sais, c'est un petit quartier un peu en hauteur et tout, belle vue de partout, t'as compris. Et puis en bas, tu sais, vers là, il y a Valmy, la Duche en haut. En gros, c'est le 9ème. Avant tout, je te laisse te présenter, frérot. Bah moi, c'était DJR, 22 ans. J'ai commencé le rap là, c'était il y a 3 ans hein, que j'ai commencé à sortir des clips, tout ça. Mais après, je rappais déjà étant gamin. J'essaye de commencer, de me lancer un peu, faire des projets, en espérant que ça marche. Hein. Vas-y, viens, on va faire un petit tour. Frérot, déjà, t'as clippé à l'Observance un petit peu ou quoi? Ouais, j'ai clippé à l'Observance. Au-dessus, là, il y a un fort, en gros, j'ai clippé, je sais pas si t'as vu, j'avais fait un clip Tommy Gun. C'était juste en haut dans le fort. Tu voulais les euros, mais ton poteau va aussi gros, il t'éliminera aussitôt. Maria, Maria, bientôt je l'emmène à Rio. Le secteur c'est devenu crié, mon cœur il est tout noir comme le thème à l'arrêt. Je fais des dégâts, je vous dis salem. Et j'ai fait aussi un freestyle, mais qui était que sur Insta, freestyle Saint-Patrick. En gros, c'était un clip que j'avais fait avec Anoa Productions, si t'as déjà entendu. Ouais, ouais. Et c'était juste aussi en haut, dans le fort. C'est les seuls clips que j'ai fait ici. Bon, avant tout, ça fait combien de temps vraiment que tu étais dans le son? Ça fait combien de temps que tu rappes? Vraiment, gamin, t'as compris, j'écrivais et tout, j'essayais et tout, je me disais, bon, pourquoi pas on... Puis en vrai, c'est en grandissant, c'est mes potes, ils me disaient, ouais, t'es chaud, en vrai, t'as un truc, en vrai, essaye de l'utiliser. Puis après, vas-y, j'ai commencé le rap avec un pote à moi, en gros, c'est le manager. Il m'a aidé pour les premiers sons, il a toujours été là. Il a toujours été là en gros tout début. Depuis qu'on a commencé, en vrai, on essaye d'essayer de faire du... Pas comment dire en vrai. J'essaye de m'en sortir avec, mais je le fais aussi parce que j'aime bien. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que t'as sorti quelques clips il y a 2 ans, je crois. Ouais. Et après, il y a eu une longue pause. Ouais, il y a eu une longue pause. Et après, il y a eu un retour il y a pas longtemps. Ouais, c'est-à-dire ça, comment ça se fait en fait? En soi, c'est... J'écoute les gens... Tu vois, moi je suis trop comme ça, j'écoute les gens, ouais, vas-y arrête le rap, et c'est pas fait pour tout le monde, machin, ou des trucs comme ça, des petits commentaires comme ça. Et à la fin, je me suis dit, vas-y, je vais m'arrêter, et puis en vrai, de vrai, je me dis qu'en vrai, à la fin, au final, j'arrête, mais dans tous les cas, j'aime bien faire, en vrai, dans tous les cas, je le fais pas pour les gens, en soi, je le fais pour moi-même. Sinon, on est à l'Observance, comme tu m'as dit. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs qui viennent d'ici? CEZ, je sais pas si t'as déjà entendu parler. Ouais, il est juste ici, là, juste par là. Et après, c'est le seul. Pour l'instant, c'est le seul que moi et lui. Et j'ai aussi des potes à moi, en gros, qui rappent, mais qui, t'as compris, ils sont rien sortis ou quelque chose. C'est des freestyles comme ça. T'as eu dédicace à Napchon, franchement. Même si, en vrai, il y a... T'as compris, en vrai, de vrai, il y a pas beaucoup de rappeurs ici, en vrai... Niveau, quand je te parle sur YouTube, sur des trucs comme ça, sur les réseaux, il y a quand même des talents cachés. Là, on est vers le fort, là, à l'Observance. Ça, c'est le fort de Loyasse. En vrai, je sais même pas c'était quoi avant. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. T'as vu, je te mens même pas. C'est un coup, c'était une prison. Je sais même pas. Mais en gros, ce que t'as dit, là, j'ai clippé Tommy Gun. C'est un son, en vrai, de vrai. C'est un endroit, en vrai, c'est un squat, en vrai, si tu veux. C'est un squat, en vrai. T'as déjà entendu des dingueries qui se sont passées dedans ou quoi? Ici dedans, je pourrais même pas te dire. T'as vu, je te mens même pas. Je t'ai dit ici là. Franchement, il y a de tout qui traîne dedans. T'as vu, je veux même pas savoir là. Je suis venu clipper et tout. Moi, je traîne pas dedans. C'est mort. C'est mort. Bon, sinon, le 9ème, c'est grand. On va faire un petit tour. On va aller à Valmy. C'est ouais, ça Valmy. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est... Toi, t'es du 9ème en général? Ouais, en vrai, moi, je suis du 9ème en général, si tu veux. Comme j'étais petit, j'habitais à la Duche. Et après, j'ai déménagé à l'Observance. T'as dit, l'Observance et Valmy, c'est pas très loin, c'est pareil en soi. Nous, il n'y a pas de différence personnellement. Même de, je pense, dans la tête de toutes les personnes qui habitent ici, t'as vu. Et franchement, après, j'ai grandi qu'avec des gens de Valmy, tu vois, de la Duche. Et c'est tout pour ça que je dis, je suis du 9ème en vrai. C'est partout en vrai dans le 9ème. Là, on est à Pomouton, c'est un secteur de Valmy avec des snacks, supérettes, tout ça. En vrai, je vais ici. En vrai, j'ai envie de me poser sur les quais, par exemple, ou des trucs comme ça. Là, il y a des tacos, il y a de tout, en vrai, ici. Et là, par exemple, là, il y a le Presto. Ouais, ouais. Pour moi,
C'est le seul endroit où je mange, donc je peux pas te dire c'est le meilleur et tout, parce qu'il y a plein de gens qui ont des goûts différents ici. Bon, là, il y a plein de snacks, comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de snacks vers la rue Marieton par exemple. C'est rempli de snacks sur l'allée, en gros tu peux manger ce que tu veux en vrai. Ici, c'est vraiment, il y a de tout. C'est ce tacos là du coup le meilleur. Ouais, c'est ça, presto. Gros, est-ce que tu valides que les tacos lyonnais c'est les meilleurs de France ou pas? Parce que tout le monde le dit. Franchement, bien sûr que c'est les meilleurs. C'est même pas une question que t'as à se poser, je t'en veux. En vrai, non, mais pour de vrai, j'ai jamais mangé dans un tacos dans une autre ville ou quelque chose, tu vois. Mais je sais que ici c'est les meilleurs tacos parce que depuis tout petit, en vrai, je suis initié à ça. Je sais pas, j'aime trop les tacos, c'est comme ça. Ici dans le secteur Valmy, tout ça, est-ce que t'as déjà fait des clips, des trucs un peu? T'as peut-être des anecdotes, des souvenirs? En gros, il y a un secteur là, ici, à côté de Valmy, collé à Valmy, Gorge de Loup. C'est pareil que Valmy en vrai, c'est la même chose, c'est la même merde. VS, Gorge de Loup, Valmy. J'ai clippé là-bas, j'ai clippé Bitume CR2. Là, je pourrais pas te montrer, c'est un peu plus loin à patte. Mais ouais, j'ai fait des clips en gros dans ce secteur, en gros Valmy, Gorge de Loup. J'ai fait des clips un peu partout. De toute façon, on va passer, je te montrerai. Sinon, frérot, même question que tout à l'heure quand on était à l'observance. Mmh. Est-ce que du côté de Valmy, il y a quelques rappeurs qui viennent d'ici? Valmy, franchement, il y a mon. En vrai, j'ai un petit frère qui rappe. Django et tout, dans le secteur, on le connaît bien, il rappe très bien, c'est le meilleur. Il a un petit groupe de rap en gros, enfin en gros il faisait un petit groupe et tout avec ses potes ici, avec Safouane. Après, je te mens pas, il n'y a pas trop de rappeurs en vrai qui se lancent ici. Il y a du rappeur comme je te disais tout à l'heure, en gros ça freestyle, ça rappe et tout. Mais c'est tout, ça sort pas, il n'y a pas de projet, les gens ils ont pas trop l'ambition. Justement, le 9ème, il n'y a personne qui a pété encore dans le 9ème. Personne. Parce qu'il y en a dans le 3, il y en a dans le 8, ils se font connaître aussi. Franchement, le 9ème, c'est plus en retrait, non? Ouais, plus en retrait, je te mens pas. Comme je t'ai dit, les gens, ils ont pas très envie. C'est même pas ça, c'est même. C'est comme une. C'est pas une honte, hein, mais genre, ils ont peur de se lancer. Alors qu'il y a du talent, en vrai. Là, t'as vu, on passait tout, il y a du freestyler, il y a tout. En vrai, normal, en vrai, ça te fait des freestyles comme ça. Mais comme je t'ai dit, il n'y a personne qui a vraiment la chauffe de se lancer, de vouloir tout arracher, tu vois. Alors qu'on peut, tu vois, c'est un bon secteur, franchement, c'est un bon secteur, il fait bon vivre. Et en vrai de vrai, c'est dommage que t'as vu, il n'y ait pas plus de talent qui se montre, tu vois. Mais comme je te disais, dans tous les cas, en vrai, il y a du freestyler, comme je te disais, mais c'est comme ça, c'est le 9ème, ça pète pas parce que vas-y, en gros, les gens, ils se lancent pas assez. Justement, t'as dit c'est un bon secteur, c'est-à-dire c'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer dans le 9ème? Franchement, je sais même pas comment dire en vrai. Parce qu'en vrai, tous les secteurs à Lyon, ça se ressemble, justement. Ouais, quoi, c'est, un pareil, ouais. C'est un peu pareil. Moi, mon enfance et tout, par exemple, j'allais à la MJC, t'as vu, j'allais à la MJC à la Duche, des trucs comme ça. Mais vas-y, pas plus. En vrai, de vrai, c'est que j'aime mon secteur parce que j'ai grandi là en vrai, ouais, c'est pour ouais. Ça. C'est parce que j'ai grandi là en vrai. C'est pour ça que je vais toujours aimer mon secteur, je vais pas. C'est un peu galère, voilà, d'être expliqué ça. La Duche, c'est là-bas alors? Ouais, la Duche, c'est là-bas, là, au fond, là-bas. C'est-à-dire que c'est grand le 9ème quand même? Ouais, c'est là, franchement, ouais, ça va, c'est grand quand même un peu. T'as vu, en gros, on a quoi là? On est à Valmy, là. Et là, on vient de rentrer dans le centre de Valmy, sur la place. On va arriver sur la place et tout. C'est là où la plupart des jeunes du secteur, ils se posent ici. T'as compris, détente tranquille, tu vois. En gros, t'as quoi? T'as Gorge de Loup à côté, t'as Vez, t'as la Duche, justement. En gros, t'as Sarambert qui est un peu plus loin. Sarambert, ouais. Le Vergon. Franchement, le 9ème, ça va, c'est grand. Là, on est sur la place Valmy. Ouais, en gros, c'est une partie de ma jeunesse ici, par là, t'as compris, dans les alentours, mais souvent ici avec mes potes, avec tout le monde, en vrai. En vrai, c'est la zone, c'est ma zone, en vrai, ici. C'est ça, hein. C'est comme à Duche, comme je te disais, de partout, mais t'as vu, j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance ici, en gros. Mon collège, je l'ai fait là, tu vois, j'ai tout fait ici. Bah, là, comme je te dis, on est sur la place Valmy. Là, je te y aller, frérot. C'est comment du coup, ton petit frère qui rappe aussi? Ouais, mon petit frère, je te disais, Django. Et il rappe aussi, ça, je te laisse le présenter. Moi, c'est Django. Un peu de rap. Là, pour le moment, j'ai rien sorti. Mais ouais, ça va arriver. Il n'y a jamais eu de feat entre vous encore? Si, il y a des. Pas encore sorti, mais il y a en vrai en préparation, tout ça. Et ça va arriver. Toi, tu rappes solo, t'as un groupe, c'est comment? Solo, hein?
C'est comment? Pourquoi tu t'es lancé? C'est parce que tu l'as vu? C'est parce que... Ouais, ça partait de ça, en gros. Je te vois pas, il faisait du rap. Après, je crois que c'était l'école du premier confinement. Je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis lancé. Ça marchait. T'es content de voir la relève, du coup, quoi? Ouais, franchement, ça me fait plaisir, en vrai. Ça y est, c'est... Il se lance dedans, en vrai. En plus, il est bouillant, il peut faire quelque chose. Ça fait super plaisir. En plus, c'est le petit frère, c'est encore mieux. T'as vu, on peut tout arracher à deux au pire. Bon frérot, ici le 9ème, déjà c'est de quel côté de Lyon pour ceux qui savent pas trop? Dans l'ouest je pense, si je me trompe pas. Mais normalement c'est dans l'ouest. C'est écarté en gros, c'est en ville mais c'est un peu écarté, t'as vu. Je sais pas comment te dire, t'as vu en vrai là, ici c'est tellement écarté que là ça rend fou les gens. Ouais. En vrai on a tout pourtant, hein. T'as vu, je te mens même pas, on a tout d'ouvert et tout. En vrai la nuit, tu peux trouver détailler de quoi acheter tes clopes et tout, et même t'es pas loin de la ville ou quelque chose, ou même. Mais c'est la psychiatrie la plupart du temps ici. Ça veut dire que t'as déjà vu des dingueries un peu dans le 9ème ou quoi? Non mais t'as vu, après il y en a eu beaucoup de dingueries ici, je te mens même pas, t'as vu, c'est même pas fou. T'as en parler et tout, moi je pourrais pas t'en parler comme ça. Mais ce que je peux te dire c'est que j'en ai vu beaucoup ici, ce qu'ils aient à cause de t'as de la fumée, de l'alcool, t'as capté. Ouais. Ça a rendu beaucoup de fous, ils s'en foutent ici. Là on va changer de secteur, on va se diriger par où maintenant? Là, on va se diriger, on va monter vers la Duchère. C'est un petit quartier du 9ème aussi. Tu verras par toi-même, hein. De toute façon, tu vas monter, on verra. Là, on est au quartier du Château, à la Duche. Comme je te disais, t'es étant gamin, en vrai, moi, je suis partout dans le 9ème. Hein. Étant gamin, j'habitais là, à la 116. Ouais. Et là, en vrai, on est devant... En gros, c'est une grosse barre qui est au Château. C'est une qui est encore vivante parce qu'ils ont détruit plusieurs bars, hein, en vrai. Il y en a encore quelques-unes qui sont restées, mais ils ont bien détruit ici, à la Duche. Et là, en gros, là, on est devant la 117. Ici, c'est mon premier clip que j'ai tourné. En gros, c'est là où en gros j'ai commencé, comme je te disais au tout début, j'ai commencé avec un pote à moi. Il aimait bien ce que je faisais et du coup, c'est devenu mon manager. Après tout ça, vu que c'est quelqu'un que je connais bien et que j'ai confiance en lui, je sais qu'en gros, c'est une personne, il sera toujours là en gros. Et en gros, après ça, on a commencé à créer un truc, ça s'appelle MTS Music. En gros, c'est la chaîne où il y a tous mes clips, tous mes sons. C'est par là que ça se passe, en gros, sur la chaîne MTS Music. Là, je vais te montrer de toute façon, on va monter devant à 5-15, on va le voir là, le poteau. Tu m'as dit à plusieurs parties à la Duchère. Ouais, là, on est dans le quartier du Château. Au-dessus, là, en haut, il y a le plateau, Balmont. T'as vu, il y a plusieurs quartiers, Chicago. Il y a aussi des sources, c'est un peu éculisé, il y a Duchère un peu, tu vois. Ouais, voilà, quoi, c'est les petits quartiers ici, en gros. Il y a plusieurs petits quartiers, c'est une petite commune, en vrai. C'est le plus grand du 9ème, non? Ouais, c'est le plus grand du 9ème. C'est le plus grand du 9ème, c'est là où, en vrai, il y a le plus de bâtiments, le plus de bains, en vrai, t'as compris. C'est un vrai quartier, quoi. Ouais, ça dit quoi, la famille? Bien, frère. Tranquille. T'as quelqu'un à nous présenter, du coup? Là, c'est comme je te disais, ami d'enfance, manager à DMK. C'est comme je te disais, on a créé la chaîne MTS Music ensemble. Ouais. On a commencé ensemble. On est toujours présent, il est toujours là. Toujours là, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait du son. Tranquille. Hein. Petit à petit, c'est plus du divertissement qu'autre chose. Toi, tu t'occupes que de lui comme rappeur, pas d'autre. Non. Et j'ai ma vie personnelle à côté et tout. Et c'est un petit divertissement. Au studio, on délire un peu, il fait ses sons. Quelques clips, on sort. J'écris quelques scénarios, il y a quoi comme scénario que j'ai écrit. C'est vrai que les premiers clips, il y avait des scénarios un peu en plus. Ouais, sur les premiers clips, ouais. Ça racontait quoi par exemple les premiers clips, les gars? Ça racontait un peu l'histoire du quartier, comment ça se passe, les gamins, comment ils sont, et voilà. Ah, compris, en vrai, c'est ça, on a commencé. En vrai, on a voulu faire une suite d'épisodes, là, ça va continuer, ça va reprendre très bientôt d'ailleurs. Ça s'appelle Les Temps Changent. Et en vrai, c'est ça, on essaie d'expliquer la vie du quartier, comme ça, en vrai. Tout ça, ça a été fait à la Duche, tout ça, ça a été fait à la Duche, à Valmy, à Gorge, de Portéi, en vrai. Mais principalement à la Duchère. Principalement à la Duchère, ça a été fait tout là. Et franchement, après. On a la maison, tranquille. Quand même, il y a eu du travailleur, quand même, dans mes projets, dans mes sons, quand même. Ouais, parce que c'est pas facile aussi d'écrire des scénarios et tout, mais. On t'a dit, en vrai, c'est un divertissement, mais on essaie quand même d'être sérieux après. On essaie quand même, on veut que ça marche quand même. Même si t'as compris,
Le début, c'est toujours dur, je le sais très bien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'expliquais. Et j'ai beaucoup de gens qui parlent, vas-y, arrête le rap, c'est pas fait pour toi, vas-y, il y a d'autres trucs à faire. Moi, j'aime bien, personnellement, je vais continuer, et si ça marche, t'as vu, il y en a qui croient en moi après, t'as vu. C'est bien pour eux que je vais le faire, tu vois. On est vers le snack là-bas, la Gréderie. C'est un très bon snack aussi. On est à la Duche. C'est un quartier ici, ça s'appelle la Sauvegarde. Et en gros, c'est un petit quartier de la Duche. Pareil, comme je te disais, il n'y a que des petits quartiers. En gros, c'est une petite commune, on est à la Duche. Et là, en vrai, on est devant le snack. Là, je te présente Souli, rappeur. Rappeur du château, très grand rappeur. Ça va, mon frère? Ça dit quoi? T'as sorti quelques trucs un petit peu, pas du tout, c'est... Ouais, c'est comme... j'ai deux clips là disponibles sur YouTube, et ça va arriver lourd. Hein. C'est ça, il y a des feats un peu avec tes légères ou quoi? Ça va arriver, bien sûr, c'est la famille, c'est... Voilà que c'est un truc qui va arriver, t'es obligé. Ça veut dire, il y a qui d'autre comme rappeur un peu à la Duchère? Après, il y a qui? Il y a Choc, aussi rappeur du château. Il y a RMZ, Rampico aussi, il est du château de... Il est de la Sauvegarde, des rap aussi, très, très fort aussi. Et après, voilà, je te vois pas, plus. Après aussi, il y a des anciens aussi, tu vois. Genre Elamson, Bill Cadet, tout ça. En vrai, il y a du rappeur ici, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le 9e, ça pète pas. Ça, du mal à péter, les gens, ils ont pas trop envie. Comment ça se fait, ça, du mal à péter ici? Ça se mélange pas, il n'y a pas l'envie même, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Après, il y a du talent. Hein. Franchement, il y a du talent. Et il y en a, ils freestyle dans leur cachette et tout. Ils sont super forts, t'as eu. Il y a des trucs qui vont jamais sortir, parce qu'ils aiment pas, t'as eu. Alors que, franchement, je pense que t'es, c'est un endroit où ça peut péter, tu vois. C'est un très bon secteur et c'est dommage que t'as vu, ça pète pas autant, tu vois. Les gens, ils ont pas aussi la détermination. Là, ici, en gros, comme tu disais, il y a un petit snack là, la Gréderie. Là, il y a le chef. C'est comment? C'est quoi, les gars? C'est quoi le meilleur truc à manger ici? Bah, viens, tu vas manger un bon 15 dalles, t'as fait plein de Toi, tu prends quoi habituellement ici? Moi, en vrai, je me sens plus le poulet là. Le pain boulanger? Ouais, le pain boulanger. Et après, franchement, après, je mange pas tout le temps ce snack. Je te dis, juste soit tacos, soit. Ah, vas-y, montrez-nous, les gars. Venez nous montrer un petit peu là, l'intérieur. Non, tu l'es pas, pain boulanger, t'as dit, c'est le meilleur truc. Ouais. Moi, pour moi, après, peut-être qu'ils ont peut-être d'autres préférences. Toi, c'est quoi ton menu habituel, toi? Moi, tu prends ça, pain boulanger, steak bouché. Steak façon bouchée, ma pièce. On fait aussi des choix, brochette, foie, bœuf. C'est carré. Poulet, ça fait longtemps que c'est ouvert ici ou quoi? Non, c'est tout nouveau, là. Barbecue, fruit maison. Bien. Ça se trouve où, pour ceux qui veulent? 38 chemin des cerisiers avec lui. Vous n'êtes que du lourd, vous ne serez pas déçu. C'est carré collé. Tacos aussi, parce qu'on est. Tacos, obligé, hein. Alors, frérot, explique-nous un petit peu, on voit quoi d'ici du coup maintenant? Là, en vrai, on a une bonne petite vue sur tout le 9e. Un peu le 5e par là-bas, tu sais. Ouais. En gros, et là, tout le 9e, un peu. T'as vu, en vrai, la Vèze. Et comme tout à l'heure, on était vers Valmy, c'est vers là-bas aussi. Au-dessus, où il y avait, on était tout à l'heure aussi à l'Observance. C'est les 4 tours, hein. Ouais, c'est ça, les 4 tours. Et ouais, voilà, on a la belle vue au château, c'est un bon petit endroit en gros pour se mettre tranquille, t'as compris, à l'aise. Et tu veux penser à autre chose, tu te mets là quoi. Bon, sinon frérot, après avoir terminé ce tour du 9e, j'ai la dernière question, c'est la même tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? La Lyon. Lyon, mon gars. Hein. Ouais, toujours. C'est carré, alors c'est quoi tes réseaux qu'on suit aussi? Bah là, moi, sur Insta, c'est f.nichi09. Et sur Snapchat, c'est k-6-m-c-o-o-6-9-9. Vous pouvez me suivre sur YouTube, la chaîne c'est MTS Music. Il y a tous mes sons et voilà. Tout est bon, merci beaucoup frérot en tout cas. Merci à toi, on est ensemble. Ça fait plaisir. Depuis petit, nous on connaît la douleur. Elle veut pas l'amour, mais les billets de couleur. Et là, je raconte ma vie sur un fond noir. Parce que dans les mélos, moi je veux tous les fumas. Fabaro Ken, ça pue dans le couloir. Je deviens parano quand il y a mon déo tout noir.